Salut l'équipe, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce dernier live pour le mois de mai. Salut Alex, salut Jérém, salut Rémi. Bon, on a démarré le live un petit peu avant 16h, donc comme d'habitude, on attend que tout le monde se connecte pour se mettre en place, pour s'installer, pour démarrer l'échauffement et démarrer ce dernier live tous ensemble pour le mois de mai. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On est heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce dimanche. Salut Jérôme. Salut Julien. Elodie, salut. Salut Émeric. Pauline, bonjour. Bonjour. Seul Joris le fait aujourd'hui. Bah alors Aaron, pas motivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec Aaron là? Il est pas motivé, qu'est-ce qui se passe? Allez, on laisse tout le monde se connecter, il est 16h, on a démarré juste un petit peu avant. Et ensuite on vous explique le but de la séance. Donc pour ceux et celles qui sont déjà présents sur le live, donc pour aujourd'hui on a besoin comme d'habitude de sa planche OK Perform Board ou OK Révolution ou ce que vous avez à votre disposition à la maison. Ça peut être du steel mat, d'accord, ça peut être du carrelage au sol, peu importe, une bonne surface de maniement pour aujourd'hui. Ensuite on aura besoin des trois palets ventouses, deux passeurs, une balle de golf et un palet pour la séance. Le step, c'est pas obligatoire, on pourra faire les exercices directement à même le sol, mais c'est mieux d'avoir un petit step pour pouvoir être en hauteur. Et puis le tour sera joué, vous prévoyez surtout votre tapis de sol et une petite gourde d'eau pour la séance qui va être assez intense. Salut Aurélie. Alors, la surface blanche, en gros, c'est une board de chez OK Perform Board. C'est un constructeur français qui est situé à Strasbourg. Donc, Rémi, il est actuellement sur le live. Tu pourras te joindre à lui dans une conversation ultérieure après le live pour pouvoir bénéficier du produit. Et il faut savoir qu'il y a une belle promotion. Si vous achetez une OK Perform Board, vous avez un shoot pad offert. Et ça va être l'occasion de l'utiliser cet été puisque les clubs sont toujours fermés au moins jusqu'au 22 juin. Donc, ça va être l'occasion d'utiliser ce matériel durant tout l'été. Et puis même tous ceux et celles qui ont acheté ce matériel, vous allez pouvoir bénéficier de séances maintenant à la maison. Parce qu'on vous a réservé une petite surprise pour la rentrée, donc vous restez surtout connectés sur Roller Hockey Concept. Et sachez que la board, elle ne sera pas enfermée dans le garage au fond et qu'elle a servi uniquement pendant le confinement. Ça, c'est la première des nouvelles. Allez, il est 16h03, on va commencer l'échauffement, on va démarrer tous ensemble. Et puis je passerai jeter un petit œil à la pour voir ceux et celles qui sont présents. Voilà, on l'est passé en 4G, donc il y a dû avoir une petite coupure très rapide. Mais du coup, tout le monde est là. Allez, on s'installe tranquillement. <rire> 16h04, on attend encore une petite minute que tout le monde se connecte et puis on démarre. Super, tout le monde est là. Bonjour Cécile, salut Yaël. Allez, on met un peu de musique et on démarre. Allez, on démarre avec la crosse aujourd'hui, articulaire. On démarre au-dessus. Toujours important de commencer échauffement articulaire. On bascule devant.
Ok, on met la crosse au-dessus des épaules. On va basculer avec le bassin gauche et droite tranquillement. On mobilise également le haut du dos. Allez, on repart sur des articulaires. Salut Reynald. Romain Graveline, la fouine, comment il va? On enroule les poignets vers l'avant. Et poignets vers l'arrière. Et on repart au-dessus, devant. La plateforme du hockey. Salut. J'ai toujours été sur Amiens. Je suis parti 10 ans sur, 9 ans sur Lyon et là je viens de revenir. Donc toujours fidèle à la Picardie. Mais la saison dernière en N1 à Pont-de-Metz. Ok, on pose la crosse ici, on rapproche les mains à chaque fois, on les écarte. Rapidement ici. 1, 2. 1, 2. Ok, on est pas mal. On passe avec le bassin, on pose la crosse. Donc deux façons de déverrouiller le bassin, anté-rétroversion, d'accord. Important de ne pas descendre avec le dos ou les fesses. On est vraiment bassin devant, bassin derrière. Anté-rétroversion. Important de savoir mobiliser uniquement le bassin sans rien faire bouger d'autre sur la partie du corps. On peut passer sur les côtés tranquillement avec les cercles. Ok Google, musique suivante. D'où la crosse HBC. Ah, la saison prochaine, j'en ai aucune idée de savoir où je vais jouer. J'ai été contacté par différents clubs N1. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est officiel. Et ma priorité, c'est pas de jouer, c'est de développer le roller hockey, comme je l'ai déjà dit. Donc je pense qu'il y aura certainement une saison en tant que joueur, mais je ne sais pas encore où, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. La priorité, c'est vraiment de développer le roller hockey et d'arriver à vivre de ma société dès la saison prochaine. Donc pour l'instant, j'ai d'autres gros projets en tête que de jouer au roller hockey, même si j'ai envie. Le professionnel qui prime avant tout et surtout le développement de notre sport. L'année prochaine, je jouerai en trou. Ouais. Pourquoi pas? Je joue surtout avec du CCM. Ok, on passe avec coup de genou. On est un peu plus actif. Salut Thomas. On vient trottiner sur place. On est toujours pointe de pied dynamique, d'accord. On ne pose pas les talons au sol. Ok, on vient chercher sur le côté. Ok, devant, milieu, derrière. Milieu, devant, milieu, derrière. On repasse toujours au milieu. Toujours pointe de pied dynamique. Ok, on récupère. On marche, montée de genoux. On monte les genoux. On déverrouille le bassin vers le haut. On y va.
Et non, l'accrochage baissé, rien à voir avec le fait de jouer à Pont-de-Metz ou sur Amiens. Au contraire. Ok. On passe sur les genoux. Ok, on finit avec poignée et cheville. Salut Thomas, salut Virginie, salut Clem, Valentin. Ok, allez, on démarre sans plus tarder. Donc, on va avoir besoin de deux dés pour la séance que je vais utiliser. Un dé de couleur jaune pour annoncer le temps de travail et un dé rouge qui va nous annoncer l'exercice physique plus de maniement parce qu'à chaque fois, on va réaliser un circuit. Donc, le dé jaune, le temps, le dé rouge, l'exercice physique. Ok. Donc, on va d'abord présenter les circuits qui vont être tout à fait différents. Donc à chaque fois, on a dit un exercice physique plus un exercice de maniement pour terminer. Le dé numéro 1, on sera sur corde à sauter. Donc corde à sauter, pas besoin d'en avoir une pour pouvoir en pratiquer. On est sur pointe de pied, on imite le geste ici. On peut faire les pieds de côté ou devant, ou simplement ou sautis, avec le geste des bras vers l'avant. Ok. En plus de ça, derrière, on aura besoin de nos palets ventouses. Donc ça, c'est pour le numéro 1. Vous inquiétez pas, à chaque fois, on fera un rappel des consignes. Là, on présente juste les exercices. Donc, la corde à sauter, l'exercice qui est mêlé. Pour les gauchers, vous mettez deux palets ventouses à gauche, pour les droitiers à droite. Et on vient dribbler en 8, sans bouger les pieds sur le côté de zone de confort. Ok, simplement ici. Quand on se sent à l'aise, on change également de côté. Si on est encore plus à l'aise, on utilise les passeurs. Ok, tout simplement. Ça, c'est pour le numéro 1. Numéro 2, on est sur cheville rapide, donc là on a besoin de la crosse qu'on va mettre en travers. Et à chaque fois que je vais dire go, on va basculer de l'autre côté. Donc, on commencera avec pied droit ou pied gauche, on sautille. Dès que je dis go, on passe rapide de l'autre côté, on revient. Go! Ok, donc ça c'est l'exercice physique. Le deuxième exercice de maniement, on sera sur simplement tête haute, balle de golf. D'accord? Je regarde ce qui se passe à gauche. Je regarde ce qui se passe à droite, mais je ne regarde pas ma balle. D'accord. Pour ceux et celles qui ont des passeurs, vous pouvez utiliser vos passeurs sur les côtés. Et on fait bouger les pieds sans regarder la balle. À chaque fois, on a la tête haute. Ça, c'est pour le numéro 2. Numéro 3. On est sur des déplacements squat, mais vraiment très bas le long de sa planche. Donc ici, là, des petits pas rapides. Ici, hop. Ici, ok, tout simple, pour le numéro 3, au niveau des consignes de maniement, on utilise les passeurs, une fois à droite, une fois à gauche, on bouge les pieds à chaque fois, ok, on mobilise les pieds, c'est bon pour vous, passeurs. Numéro 4, on est sur gainage avec montée et pied. Donc ici, je vais le faire ici pour travailler vu que ça glisse. On peut travailler le déséquilibre aussi ici. Donc les mains ici, la position de base, position gainage et on a les pieds actifs. D'accord ? Pareil pendant le temps qu'on vous donnera à chaque exercice. L'exercice qui correspond en maniement, c'est le 8 normal. Par contre, c'est le 8 en grand. On aura le 8 petit et le 8 grand. Le 8 grand, c'est celui qui vient chercher très large au niveau de la crosse. Voilà. Là, on est pas mal. Donc le 8, on connaît tous. On va chercher sur les côtés. On enroule. On vient chercher. C'est bon pour vous.
Ensuite, numéro 5, triceps au sol. Triceps avec le bout de step ici, les pieds calés ici, et on vient descendre ici. 1, 2, 3, pendant le temps donné. Ok, donc ça c'est pour le 5 avec l'exercice petit et grand. Petit et grand, vous prenez soit balle de golf ou palais, c'est vous qui choisissez. Et on est sur des petits mouvements et des grands. Grand mouvement ou petit. Petit ou grand, c'est vous qui choisissez. Ok, numéro 6, le dernier, ciseaux. Donc pour les ciseaux, exercice qu'on fait depuis un petit moment sur les lives, on vient se poser en position gainage ici. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, on peut mettre les coudes, les mains sur les pecs. On est déjà en gainage sur les fesses et on vient chercher droite-gauche le déséquilibre avec les jambes. Ok, l'exercice qui correspond au numéro 6 en maniement, c'est le petit 8. Donc là, on rapproche les palais. Hop, on est sur un 8 un peu plus serré. Ici. Et on vient faire bouger les mains. Les poignets rapides. Ok. Et à chaque fois, on fera un petit rappel des consignes entre deux, vous inquiétez pas. Donc on enchaîne ça, on va faire une vingtaine de circuits, on aura fini la séance, ça va représenter à peu près 30 minutes. Donc c'est assez intensif, il n'y a pas tant de pause entre les séries. On enchaîne, on enchaîne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on peut démarrer? J'attends votre tour. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Si on est bon pour tout le monde, on va pas tarder à démarrer. Tristan est prêt. Ok, super. Yes pour Louis. Parfait. Allez, on tarde pas alors. On a dit le dé jaune, c'est le temps. Et le dé rouge, le circuit. Donc sur le temps, de 1 à 6, l'exercice physique, je vous dirai le nombre de temps qu'il va durer ainsi que le maniement. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Par exemple, le 1, c'est 10 secondes de physique, 20 secondes de maniement. Le 6, c'est 60 secondes de physique, 40 secondes de maniement. Donc écoutez bien les consignes à chaque fois en termes de temps de travail. C'est important de pouvoir les respecter. Donc on prépare son petit tapis de sol sur le côté, sa crosse disponible. Et on n'oublie pas, on commence toujours par l'exercice physique avant la crosse. Donc si on est bon, on ne tarde pas à démarrer. Ok pour nous, ok pour Julien, ok pour Jérôme. Swan, il est prêt alors. Alors on ne tarde pas, on y va. C'est parti. Je mets le temps et on y va. On démarre dans 5 secondes, c'est parti. Donc au niveau du temps, on va travailler sur 5, 50 secondes de physique et 40 secondes de maniement. Avec l'exercice numéro 5, donc 5 et 5. Le 5, on est sur triceps au sol, donc ça pique d'entrée pendant 50 secondes des dips. Et ensuite, on fera des petits mouvements, petits et grands. On y va, on démarre sans plus tarder. On ne tarde pas. On est parti. 3. 2, 1, top, on y va, c'est parti, 40 secondes, ici on y va, 1, on y va tranquille sur le mouvement, sinon on ne tiendra pas 50 secondes, tranquillement, et on respire, la tête est haute, on descend bien sur les bras, on est gainé, et les fesses ne touchent pas le sol. Allez, on tient encore 15 secondes. On n'oublie pas, après on se prépare sur le maniement. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va. Ça pique d'entrée, on lâche pas. Allez, des petits, tu lèves la tête. Et des grands. Oh,
hop, on bascule sur des petits. Les grands. Fais bouger tes pieds, il reste 15 secondes. Respire. Les petits. 3, 2, 1, top. Ok. On récupère rapide, on pense à boire. Et on enchaîne sur la deuxième série. Allez. On est prêt. Le déjeune pour le temps. 10 secondes de physique, 20 secondes de maniement. C'est le plus petit des temps. Avec l'exercice 2. Donc cheville rapide et tête haute, balle de golf. On met la crosse. 10 secondes de physique, donc on va pas faire 10 secondes, on va faire 3 sauts à mon top départ, pied droit. On sautille, dès qu'on entend go, on passe vite de l'autre côté, on revient vite à la position de départ. Go ! 1, sautille, pointe de pied, reste droit. Top ! Encore une fois, top ! Ok, on prend la crosse et on y va, tête haute. 20 secondes, tête haute. Allez, le sourire, on travaille, on lève la tête. On se met en difficulté. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, ok. On récupère rapidement et on enchaîne. Ça va pour tout le monde. Allez, le déjeune au niveau du temps. 40, donc 4, 40 secondes de physique, 30 secondes de maniement. Avec l'exercice numéro 4. Donc numéro 4, c'est gainage pied en mouvement. Et le 8, le grand 8. Donc on prend le palais, on le décale tout de suite, on installe le grand 8. C'est parti. Et on y va en gainage. Avec les pieds mobiles, on part dans 5 secondes. Donc 40 secondes de physique, 30 secondes de maniement, c'est parti, on y va. Allez, on est solide. Grosse séance aujourd'hui, c'est normal, c'est les playoffs. On sort de sa zone de confort, c'est le dernier match, c'est la finale. On lâche pas. Allez. Actif sur les pieds. Pointe de pied, toujours. Encore 10 secondes, lâche pas. Oublie pas, après on est sur maniement, le grand 8. Qualité, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va. T'es prêt? On démarre. 30 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va. Allez, enroule tes poignets, fais bouger vite, transfère le poids de ton corps, déverrouille les genoux. Stop ! On est pas mal. Respire, prends le temps. On repart. Ça fait 5 minutes de match pour l'instant. Le 2, 20 secondes de physique. 20 secondes de maniement avec l'exercice numéro 3, les squats déplacement sur le côté. Ok, 20 secondes de squat déplacement et 20 secondes de passeur. On bouscule les palais pour l'instant. Ça va pour tout le monde? Allez, on est prêt avec la crosse. Il fait chaud, on lâche pas. 3, 2, 1, top, des petits pas rapides. Respire, encore 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, top. On y va, passeur.
contrôle ton palais. Cinq, quatre, trois, deux, un, top. On récupère rapidement, mais on récupère. Le déjeuner, le temps, 10 secondes de travail physique et 20 secondes de maniement. Avec l'exercice 3, celui qu'on vient de faire. Donc on est sur la même chose, sauf qu'on est sur 10 secondes physique et 20 secondes de maniement. Ça va passer très vite. 5 secondes, on démarre. Démarre à l'opposé, jambe droite. 3, 2, 1, top. Rapide sur tes pieds, rapide. Top. Les passes. Top. Ok, on est pas mal. Allez, on est à 8 minutes de match. Là, on lâche pas, les gars, on lâche pas. Je te laisse du temps de récup, mais rapide. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on est bien? Allez, on a eu nos 20 secondes de repos, on démarre. Le déjeuner, il annonce 3, 30 secondes de physique, 30 secondes de maniement. Avec l'exercice 6, les ciseaux et le petit 8. Rapproche tes palais, installe-toi sur le petit 8 et prépare tes petits poignets, mon jeune. On lâche pas, c'est pas le moment de lâcher. Tu prépares ton tapis de sol et on part dans 5 secondes. 30 secondes de ciseaux, 30 secondes de maniement. 4, 3, 2, 1, top, on y va. Respire, allonge les jambes, d'accord? Je veux pas te voir comme ça. Allonge les jambes. T'es sur les fesses là uniquement. C'est trop dur, on met les coudes. Respire. Allez, encore 10 secondes. Lâche pas. Trois, deux, un. Top, on y va, maniement dans 5 secondes. Rapide sur le petit 8. 2, 1, top, on y va. Fais glisser ton palais, tu touches, c'est pas grave. Change de sens aussi. 5 secondes, lâche pas. Top, c'est pas mal ça. Allez, lâche pas. On enchaîne. 3, pareil, 30 secondes de physique, 30 secondes de maniement. Avec le 1, corde à sauter et le petit 8, mais cette fois-ci côté zone de confort. Si t'es gaucher, à gauche, si t'es droitier, à droite. T'es prêt? Ça va démarrer. 2, 1, top, on y va. Top. T'es prêt? 3, 2, 1, top, on y va. Change de sens. Encore 10 secondes. Trois, deux, un,
Top, on est pas mal. On enchaîne. 3, 30 secondes de physique, 30 secondes de maniement, on est pas mal. Allez, on lâche pas. Le 2, cheville rapide, tête haute, balle de golf. 30-30, prépare-toi, ça va être long. On n'est pas sur 30 secondes sur cet exo, on va être sur 6 sauts. Respire, récupère. On a fait jambe droite tout à l'heure, on bascule sur jambe gauche. Top, c'est parti. Pied dynamique. On est sur 6 sauts, prépare-toi. Top. Rapide. Plus vite là, c'est de la lave de l'autre côté. Top. Sautis, sautis. Hop. Hop. On est à 4. Stabilise tes épaules. Regarde devant toi. Top. 5. Et la dernière. Hop. Ok, on est pas mal. Démarre ton maniement. Tête haute, balle de golf. C'est parti, 30 secondes. Allez, prends des risques là, c'est les playoffs là. Va vite avec la balle. La regarde pas, la regarde pas. Ok, top. On est pas mal. 3, on est encore une quatrième fois sur 30 secondes physique, 30 secondes de maniement. Avec l'exercice 6, le ciseau et le petit 8. Le ciseau et le petit 8. Rapproche tes palets. Et le ciseau. Allez, on se met en place. On démarre dans 5 secondes. C'est rapide, c'est cardio. Allez, on y va. 3, 2, 1, top, on y va. Respire. Allez, encore 10 secondes. Oublie pas, après, tu es sur le maniement, faut que tu sois solide jusqu'au bout, là. La fatigue, elle commence à arriver. 4, 3, 2, 1, top, on y va. Allez, c'est parti, 30 secondes. Tu peux prendre ta balle de golf aussi si tu veux. Ok, top, on est pas mal. Bon, un coup, on récupère. Ça va pour tout le monde, on est à 15 minutes de match. On est plutôt bien là. Ça va pour tout le monde. Pareil, on laisse 20 secondes de récup et on redémarre. Allez, on repart. Le déjeune. On est sur 2. 20 secondes de maniement, 20 secondes de physique. Avec l'exercice 5. Triceps. Prépare-toi. 3, 2, 1. Top, la tête en haut. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on y va, respire. Allez, encore, on y va, petit grand, 20 secondes, petit grand, c'est parti.
Ok, top. On est pas mal. Je vous ai demandé si ça a été, je suis pas venu vous voir. Bon, apparemment tout le monde est dans le game, c'est bien, excellent. Allez, c'est la dernière, on lâche pas les gars, là, c'est le dernier live, on donne tout. 2, 20 secondes de travail, 20 secondes de récup. Numéro 4, gainage pied en mouvement et le grand 8. On y va. 5 secondes et on démarre. C'est parti. Allez, rapide sur tes pieds. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, top. On y va, maniement, c'est parti. 20 secondes. Allez, prends des risques là. Hop. C'est les playoffs, c'est maintenant là qu'on est sérieux les gars. Allez. On passe à la suite. On est à 18 minutes de jeu. On va jusqu'à 30 minutes là. Allez. On tient. Séance courte mais intense. On y va au niveau du temps. 6. 60 secondes de physique. 40 secondes de maniement. Attention, on n'est jamais tombé sur 6. On y va avec... Ça va piquer. Le 6. Les ciseaux. 60 secondes de ciseaux. Et 40 secondes de maniement. Avec le 8 petit. Rapproche tes palais. On démarre. C'est parti. 60 secondes de ciseaux. Ça va être le plus dur. Allez. C'est mental. On lâche pas. On n'a pas le droit d'abandonner l'équipe, les gars. On lâche pas. Encore 40 secondes. Allez, stabilise, sois solide, ferme les yeux. Situation de match, là, on peut pas lâcher, les gars. Encore 10 secondes, lâche pas. Tcha. 5 secondes. Top. Ah, a été dure, celle-ci. T'es prêt? 5 secondes, ça part. 3, 2... 1, top, on y va. Allez, rapide. Récupération là. On lâche pas, 5 secondes. Ok, stop, on est bien. Gros effort là, c'est bien. On relance tout de suite la machine. On est dans les 10 dernières minutes, c'est pas le moment de lâcher. 2, 20 secondes de travail physique, 20 secondes de maniement sur l'exercice. 5, 5 triceps au sol. Triceps, petit, grand. 20 secondes. T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va, c'est parti. Fais ce que tu peux, si c'est dur, fais ce que tu peux. C'est important. 5 secondes. Tu dois donner l'effort pour l'équipe. 3, 2, 1. Top, on est bien. On est sur petit, grand, petit, grand. C'est parti.
5 secondes, lâche pas. Ok, on est bien. 22 minutes de jeu, tu lâches pas. 4, 40 secondes de physique, 30 secondes de maniement. Sur l'exercice 2, cheville rapide. Jambe droite. On fait pas 40 secondes, on fait 6 bons. On est prêt? Dynamique, c'est parti. Hop! Hop! Plus rapide, plus rapide. Hop! 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 Allez, il en reste deux. Sautille, c'est dur, mais sautille. Hop! Dernière. Hop! Ok, super. Tu passes balle de golf, tête haute. 30 secondes de maniement, lève la tête. Lève la tête, 2, 1, top. Allez, on lâche pas, on est à 23 minutes de jeu. 3, 30 secondes de travail, 30 secondes de maniement. Sur le 5, triceps et des grands et des petits. On y va. Si c'est trop dur triceps, tu mets tes mains et tu fais des pompes. Allez, on essaie les pompes. 3, 2, 1, top, on y va. Respire quand tu remontes. Inspire à la descente. Souffle pour remonter. 5 secondes. Excellent. On y va, des petits, des grands. C'est parti. Allez, perds pas ton palais. Ça pique les mains, c'est pas grave. C'est ça le hockey. C'est dans la difficulté. 5 secondes. Ok, on a 25 minutes de temps de jeu, tu lâches pas. C'est le money time, il reste moins de 5 minutes d'entraînement, tu lâches pas. 2, 20 secondes de travail, 20 secondes de physique. Exercice 6, ciseaux. Et le petit 8. Mets en place ton petit 8. Pas le petit suisse, mais le petit 8. Et tu prends ton palais, ta balle de golf, tu l'abandonnes pour la fin de l'entraînement. Ciseaux, t'es prêt? Quand Kekalor démarre, ça part. 2, 1, top, on y va. Respire. Cinq secondes. Top. Passe sur ton maniement. 2, 1, top. Change de sens. Ok, stop. On est bien, on est bien. Tu bois un coup, je te laisse 10 secondes et ça repart. Ça va pour tout le monde? Salut Jim. Il n'y a pas de souci mon Jim, t'inquiète pas pour ça. Le tout c'est que tu sois présent sur le live avec nous. C'est ça une équipe, c'est bien ça. Allez, on démarre. Ouh là là, 60 secondes de travail, 40 secondes de maniement. Exercice numéro 3, 4 pardon.
gainage et le grand 8. Gainage 60 secondes. Si tu veux, tu n'es pas obligé de mettre tes pieds actifs. On y va, c'est parti. Allez, tu tiens. Respire. Allez, encore 30 secondes. T'es solide, tu tiens. Secondes, lâche pas. Deux, un, top. 40 secondes de maniement, t'es prêt. Ça démarre dans 3, 2, 1, top, on y va. Allez, les bras, ils sont un peu endormis, on a fait du gainage, c'est pour ça qu'on fait bouger les mains après. Fais enrouler ton poignet là. Fais bouger ta crosse. Change de sens. Cinq secondes, tu lâches pas. Deux, un, top. On lâche pas. Allez, trois, 30 secondes. Trois, squat déplacement. 30 secondes. Et 30 secondes de passeur. C'est la fin, on est à 29. Il nous reste pile une minute. On démarre en même temps. 2, 1, top, on y va. Respire. Secondes. Allez, on a fini la séance là. Lâche pas. Allez mon jeune, là, lâche pas. 5 secondes encore. 2, 1, top. Fini avec tes passes, c'est parti à droite et à gauche. Secondes. Finis ton geste sur ta passe. Cinq, quatre, trois, deux, un, stop, c'est fini. Excellent. Tu peux récupérer. On boit un coup, on récupère. Et fin de la séance, les gars, super. Fin des playoffs également, fin du live. Ouh, on est pas mal là, mon athlète, on est pas mal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Que je puisse vous voir et vous entendre. Allez, on récupère tranquille. Je puisse vous voir aussi en commentaire. Merci Swan. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir pendant tout le temps du confinement. C'était le 33e live, sans compter les lives qu'on a fait pour le matériel. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce temps de confinement qui était vraiment un temps particulier et difficile pour tout le monde. Donc c'est officiel, c'était aujourd'hui le dernier live d'entraînement. Par contre, on vous garde une belle surprise pour le mois de juin et pour le mois de juillet. Donc la première, c'est que il va y avoir une ou deux conférences pour les entraîneurs de roller hockey. On va organiser des séances
pour vous apprendre deux, trois choses. Donc tous ceux qui ont des diplômes et qui veulent se perfectionner ou qui ont des questions, on va essayer de répondre un peu à tous les besoins, les demandes et les attentes qu'il y a dans les clubs et vos difficultés réelles qui sont sur le terrain, qui sont également les miennes au quotidien dans les clubs. Donc voilà, on va lancer des lives là-dessus et on vous garde des surprises. On aura une grosse surprise à la rentrée pour le mois de septembre, donc soyez connectés. N'oubliez pas que le site internet est en maintenance, mais il va revenir très vite, c'est pour ça qu'on bosse dessus. Donc merci à toutes et à tous vraiment de nous avoir suivis depuis le début. N'hésitez pas à partager les lives, faites-nous connaître et surtout vous savez que les lives ils vont rester disponibles l'année prochaine, donc c'est le moment de les retravailler quand vous en avez envie. Merci Cécile. Merci à tous de nous avoir suivis, vraiment, ce fut un plaisir de bosser avec vous. Vous nous avez aussi occupé toutes nos journées pendant le confinement. J'ai appris aussi de nouvelles choses grâce à tous, autant sur la communauté glace que roller, donc merci à tous. Eh ben excellent Julien, excellent, on pourra en discuter alors. On pourra en discuter avec plaisir. Il y aura certainement un sondage qui sera fait sur la page Facebook pour connaître un petit peu vos journées préférées, vos heures, pour savoir un peu comment on peut fonctionner. Dans tous les cas, le live il sera disponible, donc ceux qui seront absents, c'est pas grave. La seule problématique, c'est que vous ne pourrez pas poser vos questions directement en live, mais peut-être par mail plus tard. Voilà. Merci Aurélie d'avoir été là. Salut au petit Louis, j'espère qu'on se verra peut-être l'année prochaine. Et surtout, n'hésitez pas, quand vous venez jouer sur Amiens au roller ou en glace, dites-le moi, envoyez-moi un petit message sur Roller Hockey Concept. C'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer. Un petit live coach, exactement Alex, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, le live d'aujourd'hui était très difficile, je vous l'accorde. Voilà, donc si vous avez des questions pour terminer, passe une bonne fin de soirée. Ouais, il fait encore beau, on va parler de journée pour l'instant. On va aller profiter tranquillement du dimanche avant de reprendre la semaine. Salut Jérém, à bientôt. Salut Julien. Salut les mecs, à une prochaine. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser tranquille. Un dernier merci de nous avoir suivis. Et à une prochaine. Et surtout, soyez connectés parce qu'on a encore des nouveautés qui vont arriver. Allez, salut à tous la communauté. Ciao, ciao.